I got biscotti and froze. Big boss like I'm rose. Ice and Wendy's, that's a domain. Lil baddie, yeah, she homemade. Rock the city at the home game. Up and down and go both ways. And a sprint is taking up both lanes. Hoppin', we zoomin', the package be booming. Yeah, we got it, we got it, got it. She picking and choosing in love at the moment. Yeah, we got it, we got it, got it. They cannot do what we doing. You see how we moving, we got it. Je le fais charbonner à 10h-10. T'es content de m'avoir comme client? Ouais. Vendredi soir, 22h10. Ça va, déco. Ça va me coûter cher. Ça va me coûter cher. Je fais un passage chez mon partenaire AD Décals. AD Décals, c'est celui qui fait toutes mes décos. Donc vous avez pu voir la première déco qui était noire en début d'année. Ensuite, j'ai fait une déco un peu Summer Edition qui est passée en blanche. Hugo va vous montrer, vous présenter comment les kits déco sont faits, par quelle face ça passe. Et puis voilà, je vais vous mettre son Instagram qui est juste ici avec toutes les décos qu'il a sur son profil. Et puis vous pourrez voir et puis commander directement avec lui. En plus, on vient de me dire dans l'oreillette que vu que je suis de passage chez AD Décals, on me met un petit code promo à disposition, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous le mets également juste ici, Kinu827. J'utilise un peu le même code promo partout. Donc vous lui envoyez un petit message sur son compte Instagram et vous utilisez le code promo Kinu827. Comme ça, vous aurez une petite réduction sur votre kit déco, les gars. Et là, ça bosse sur un petit projet, là. On vous dévoilera ça. Ça bientôt. Hein. Bientôt, bientôt. Je laisse juste des petits indices comme ça, là. Comme ça. Alors là, je mets en planche pour ensuite imprimer le kit déco, enfin les quelques pièces de la déco. Donc là, une fois que tout est prêt, j'enregistre. Alors j'enregistre, j'envoie ici à mon logiciel. Et donc là, une fois que le logiciel est fait, ça c'est relié à mon imprimante. Et du coup, après, ça c'est la partie impression. Donc là, en fait, le kit déco va venir s'imprimer juste ici. Bon, il est déjà imprimé. Il sort de cette façon-là. Juste ici, derrière, sur cette machine-là, c'est la machine où on plastifie. Donc on met la lamination, que ce soit du brillant, du mat, du pailleté. Donc là, la partie sur une lamination brillante avec une impression chrome. Et ensuite, juste là, derrière, donc là, on vient le mettre, la machine vient lire des repères. Et en fait, là, ici, il y a une lame de coupe qui vient découper chaque pièce, pièce par pièce, pré-accolée à la forme du kit déco. Et après, du coup, ça nous donne une planche qui est comme ça. Et le client, ensuite, retire chaque pièce pour coller sur son kit déco de la moto. Les phases kit déco. Et voilà, c'est ça. Bye, AD Décals. Yo les boys, épisode 10. 10 de la saison 2. Nickel. On est où? À Boif. Et personne sans les plumes. Waouh! Inclinaison. Hein? Ils font pas d'effort. Ouais, ils ont pas fait d'effort, là, plus bâcher la piste. Bâcher la piste? Ah, comme un six. Non? Fais pas herbler là. Oh. Fais-nous une petite présentation de. Ma moto. De ton bolide du week-end. Que le motard monté me prête gentiment. Oh la vache! T'es un mec au courant, toi. Ouais, je suis un mec branché. T'es un mec branché. Ouais, du coup, la préparation moteur by EDF. Du coup, voilà. Ah, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, demain, le père va avoir la mécanique à faire, hein, faire le filtre à air, l'embrayage, parce que demain, ça. Ouais, ça va être mou, ouais. Ouais. Non, sinon, c'est top. Hein, pour ça, on a rien à faire dessus, à part nettoyer la chaîne, la recharger, puis voilà, c'est bon, on roule. Hein. On peut le dire, t'es un feignant. Oui. Je peux demander à mon patron, il est juste là.
champion, mon roi. Yeah, you're not ready for the wham. Energy's war, I've never been glam. Energy's sure like Mars, we land like a missile straight to the plan. Energy's more than everything, man. Energy's mad, don't mess with the gram. Certain things in life, t'es bien ou t'es pas bien? Là, je suis pas très bien là pour l'instant. Putain, et les sensations sur les terrains? Coussi coussa, c'est pas très herblé là ce matin. C'est pas herblé? Non, c'est pas très herblé. Quel temps? Ouais, faut vraiment que je le dise. Cinquième? Bah, si j'écoute le père, il m'a fait ça. Du coup, là, il m'a vexé. Du coup, j'y parle plus. Et demain, il me voit pas au boulot. Il m'a fâché, du coup, demain, je vais pas bosser. On ne parle pas. Et puis moi, et vous, monsieur le champion de France 2023, National 125. Eh bien écoute, je suis parti en série 1 et je pense que c'était une bonne décision. Ouais, t'as été intelligent, ouais. Plus que moi encore une fois. Et puis je fais la pole de mon groupe et à 4 secondes malheureusement d'Adrien Petit. Bon, Adrien il a la 4,5 donc. Mais je fais le deuxième temps général. Donc voilà, premier temps de ma série, deuxième temps général. On est bien et on va attaquer la première manche d'ici une petite heure. J'ai plus rien à dire si j'ai fait de la merde. J'ai une tête de cul. Un peu. Je pars Mikey. Un petit mot du coach. Voilà. Quelques coups de bâton. Là, j'ai la pression. Là, j'ai la pression parce que il y a mes 20 ans de motocross qui sont en jeu.
Ah là là, si ça va pas. Avec les heures que j'ai passées ici. Le bâton, il est pas loin. Ah non. Ah bah dans chaque virage, je vais y penser. La guerre, on peut le dire, parce que départ, je pouvais pas faire grand chose derrière la grille, j'étais bien, mais je me suis tapé avec Matteo Bulli et bon, après c'était le carnage dans les deux premiers virages, étant donné que c'est serré. Je devais être dans les 10-15 dans le premier tour. Je remonte 4 tant bien que mal, mais le problème c'est que j'ai pas le droit à l'erreur avec la 125, j'ai pas le droit de sortir de la trace. Si je chope le mou, bah, je perds tout de suite une à deux secondes. Donc je remonte 4 et je pense que je revenais sur Flo Bertin qui fait 3. Mais j'avais pas de temps. Et puis ce qui est cool, c'est que je vois que j'ai encore la caisse, parce que les 5 dernières minutes, je pouvais encore bien pousser.
et je poussais déjà bien en avant. Et puis malheureusement, ce qui s'est passé aussi pendant la manche, c'est que dans les deux premiers tours, mon roll-off s'est cassé. Donc c'était un peu chiant. Voilà pourquoi j'aime pas les roll-off. Donc cet après-midi, ça va partir avec des tir-off, ça c'est sûr. On verra bien ce que ça va donner et je vais essayer de mieux partir pour être dans le bon wagon directement. Falling on me, I got weapons, need no armor. Stat like Tetris, you don't know me. Stat my fatty, you don't know me. Okay, hey now, get some new kid on the playground. So many bags on me, you would've thought I was a spray ground. Now they know I don't play around, I can hear what you're saying now. I just doubled up my flight miles, coast to coast, no they ain't in town. I get rich, watch, then I get a sick watch. Watch me hit the top, I might make a TikTok. Left hand, right hand. Je fais un départ de folie en deuxième manche puisque je pars deuxième derrière Adrien Petit et j'ai bataillé on va dire les deux premiers tours avec Matteo Bouli mais j'ai fait une erreur de trajectoire, j'ai pris un intérieur et du coup il était à l'extérieur, il m'a doublé avec la puissance de la 4,5 et puis après j'ai bataillé tout le reste de la manche avec un autre pilote 4,5 et il a fini par me doubler dans pareil plus ou moins au même endroit que Matteo Bouli, puis il a forcé le passage pour essayer de me, enfin pour me passer, c'était son seul moyen, je pense, de me doubler, de forcer le passage. C'est la course et je finis une nouvelle fois quatrième. Il reste une manche, on est trois pilotes pour la troisième manche du podium, on est tous les trois ex-aequo et j'espère une nouvelle fois bien partir et pouvoir faire devant mes deux autres concurrents pour essayer de faire le podium. Sitting like a boss, bring the workers out. Press on the exhaust, we be skirts now. No, we not the same, what you talking about? Got me all up in your mentions, must have heard around.
Merci à lui, il nous soutient et on le sent qu'il nous regarde là. On l'aime. Beach bike. Si vous avez des vélos à acheter, Blainville-sur-Mer. Non, n'achetez pas de vélos. Bah si, achetez des vélos. Et que d'occasion. Les neufs ils sont cassés. Les neufs. C'est bon. Je suis deg parce que j'étais parti 3ème, quelque chose comme ouais, 3ème, et je suis passé directement 4ème. J'étais en bataille un peu à distance, 3-4 secondes de Flaubertin. J'étais donc 4 et j'ai déraillé à 3 quarts de la manche, il devait rester 3 tours. Donc je déraille et je repars 8. Je double en Tozu dans le dernier tour, donc je fais 7. Et 4 et 7 pour 5 au général, je pense. Deuxième MX2, du coup c'est Flo qui gagne le MX2, il a très très bien roulé, félicitations à lui. Voilà, c'était la dernière course en France de l'année pour moi. J'espère que malgré tout la vidéo elle vous aura plu, c'était pas une vidéo qui était prévue. Donc voilà, je remercie une nouvelle fois toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour venir ici. Merci à tous, merci à mes partenaires, merci à mes potes, ma famille, mes amis, ma copine, ma mère, ma soeur, enfin je dois citer tout le monde, j'ai pas fini, Chico, mon caméraman, avec qui on va partir aux US du coup dans 3 semaines et on va faire des vidéos de folie, on va vivre un rêve. J'ai déjà hâte d'être là-bas pour partager ça avec vous. They cannot do what we doing, you see how we moving, we got it. Mess with the squad, you try to. Go against us, I highly doubt it. All of my bros, we got it. They know for sure, we got it. Been on a road.